Il y a un matin où je suis tombée malade quand je devais garder ma sœur. Et puis donc j'ai dû appeler maman, elle a dû rentrer. Parce que je pouvais pas. Je restais assise sur ma chaise et puis je bougeais pas, j'avais mal au ventre. Puis c'était comme on est l'été en plus, j'avais chaud, je pouvais pas m'endormir, j'étais pas bien, je bougeais dans tous les sens. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais d'un côté, j'avais la tête qui sonnait, dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. C'était pas bien du tout, quoi. J'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Puis j'avais les mains chaudes aussi, donc dès que je touchais quelque part, c'était normal. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais. D'un côté, j'avais la tête qui sonnait. Dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. J'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Et puis j'avais mal à la tête dès que je me retournais. D'un côté, j'avais la tête qui sonnait. Dès que je me retournais de l'autre, la tête sonnait aussi. Ou s'il fallait pas que je me mette sur le côté parce que j'avais mal au ventre. J'avais tout le temps chaud. Je pouvais pas me mettre debout parce que j'avais la tête qui tournait. Ça faisait comme un gros poids comme ça qui se mettait sur ma tête. Et je devais rester assise ou couchée. Puis on peut pas se lever, on reste toujours allongé au lit. Parce qu'on peut pas bouger de peur de déclencher un mal de ventre. Donc on reste allongé puis on essaie de dormir. C'est tout ce qu'on peut faire.